Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2 Chers Amis Nous Sommes, donc au Hackerspace de San Francisco. Nous allons revoir notre équipe, puisqu'apparemment dans l'équipe, apparemment il y a eu des infos qui ont été balancées sur la télé disant que je suis une vilaine personne et que j'ai pas beaucoup de chance. Eh merde, c'est plus haut qu'il faut que j'aille. Fais chier, je me suis téléporté au mauvais endroit. Dabal. Chadabal. Mais c'est pas grave, ok, on y va. Hello there! C'est pas comme si c'était long de temps d'ouvrir une porte, hein. Putain, c'est long. C'est bon, c'est ouvert la porte. Ok? Ok? Ceci est la mission finale. Ok. Allons-y. Ceci est la mission finale du jeu. Bon bah, ok. J'attendais pas à ça. Oh, j'ai entendu, Marie. Comme j'avais entendu toutes les fois d'avant. Si vous m'aviez écouté, on n'en serait pas là maintenant. T'énerve pas, Simone, hein. Rase ta barbe. Fais pas comme moi. Non, ça te tente pas? Alors en vrai, si votre PC commence à glisser comme ça, faites gaffe. Conspiration. Et il a obscurci ma photo. Hey, Ray, tu peux effacer cette merde? Ouais, mais ça va pas être aussi facile ce coup-ci. On dirait que le douche a fait de toi un problème fédéral. Bienvenue au club, amigo. C'est ce qu'il voulait depuis le début, non? Nous faire passer pour les méchants qui terrorisent la Silicon Valley. Maintenant, il leur propose sa protection via le CityOS et le backbone satellite. Et paf! Ils sortent tous leur chéquier. Ouais, et maintenant Bloom a accès à toutes ces données collectées qui vont alimenter ce putain de Bellwether. Chier, ils vont finir par savoir plus de trucs que la NSA. Je parie que la NSA donnerait très cher pour coopérer avec Bloom maintenant. La NSA va encourager les autres entreprises à écarter les fesses pour Bloom. Oh, Josh! Je peux pas rester comme ça. Pas question. C'est exactement ça que veut Dushan. En plus, tu t'es déjà tapé une bonne partie du travail sur le terrain. Va falloir répartir le poids, sinon tu vas te péter le dos. Okay. Ok, vous allez sur le terrain. Et moi, je gère la logistique. T'es sérieux? Allez, on se bouge. C'est ça la mission finale? Non. Tu m'as encore lancé ton regard, là. T'es sûr que ça va? Marcus court de gros risques. Oui, alors laisse-moi l'aider. C'est pas moi l'ennemi, Citra. Ouais, pourtant j'ai un doute. Ok. Moi j'ai un doute. Mais on n'utilise pas les autres ici. Ça c'est Primate, c'est la Silicon Valley. Eh les gars, est-ce que tout va bien? Ouais, tout va bien. Alors tant mieux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? S'il le faut. Va aider Marcus. Avec plaisir. Ouh. C'est très joli à regarder, mais... C'est moi? Faut que je fasse quelque chose, non? C'est un temps de chargement, c'est quoi ce... D'accord. Je vous présente Andrew Novak, l'assistant de Dushan. Oh merde, le pauvre. Ça fait un moment qu'il vole des données propriétaires pour son véritable amour, Marie Catskill. La PDG? Quelle abruti. Je vais hacker son laptop, utiliser sa backdoor pour infiltrer le cluster privé de Bloom, et je vais craquer le code qu'il nous faut. Si vous me balancez que maintenant je passe sur elle... Je vais aller me dégourdir un peu les jambes. Ouais, bah, je suis pas d'accord. Ça me dérange pas, chers amis. Mais ce que je veux dire, c'est que toute l'histoire se basait autour de Marcus, c'était lui le leader. Marcus. Ensuite, c'était plus lui le leader, c'est devenu juste un soldat. Non, je suis déçu. Je suis déçu parce qu'en fait, il a cassé ses propres. Le jeu casse ses propres codes. Et c'est pas un truc qu'on fait en fin de jeu, on le fait en début. Puisqu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la reconstruction. Mais bon, c'est un parti pris. Pour moi, c'est pas la meilleure des idées qu'ils aient eues, mais bon, ils font comme ils veulent. C'est pas grave. Bonjour. Et du coup, bien sûr, j'ai pas la moitié des objets qu'il a, quoi. Merde. Bloom plaisante vraiment pas pour protéger son matos.
Et voilà, ça commence déjà à me péter les couilles. Ok, vas-y, c'est parti, fais pas chier. Ok. Ensuite. Et là, en plus, il y a tellement de plantes qu'on voit que dalle. Oh là 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 là. Ah, ce jeu tombe dans une désuétude. C'est incroyable. Allez. Hop. Je remonte, je peux pas. Fais chier. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe ici pour que ça veuille pas? D'accord. Qu'est-ce qui se passe là pour que ça veuille pas? Ok. C'est bon. C'est bon. Tout est bon. Non, là c'est pas bon. Ok. Ok. Là ça me semble bon. Ok, c'est bon. Allez, la suite. Je suis un peu deg là, chers amis, je suis désolé, mais... Alors, bug graphique, finalement un jeu extrêmement répétitif et pas forcément très très bon. Des mécaniques de gameplay qui se retrouvent beaucoup trop souvent identiques. Ce qui pose souvent des problèmes, c'est je bon. Trouve. S'ils s'en rendent compte, je suis grillé à vie. C'est le cadet de vos soucis, mon cher. Dushan fera également virer toute votre famille. On ne peut pas lui enlever un certain sens de l'honneur. Je dirais que ça vous amuse. De l'honneur. Andrew, ma porte est toujours ouverte. Vous le savez. J'ai pas envie fan de cuir. Toute ma vie, Marie. Oh non, pas en tant qu'assistant. Vous avez trahi Dushan. Pour vous. Le service juridique et les RH ne voudront jamais. Vous avez un procès qui vous colle au cul. J'étais pas loin, je crois que c'était petit bouton au cul. J'ai chopé le code d'accès. Wrench, à toi. Ah, par contre, si on passe sur toute l'équipe, ça peut être plus intéressant. Là, je suis d'accord. J'avais peur que ça se passe sur un truc. C'est pas plus mal. Après, j'aurais bien aimé que finalement, ça aurait été plus intéressant de voir l'équipe comme un film, comme une cinématique, voir tout ça en cinématique. Parce qu'en fait, on va jouer tous les personnages comme on a joué Marcus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça te dirait de trouver les serveurs de secours de Bloom et de les faire sauter? Tu pourras péter tout ce que tu veux comme ça. Ce site est beaucoup trop bien gardé, amigo. Et puis, c'est juste à côté de chez Bloom. Va montrer tes muscles un peu. Détruis les serveurs de secours, sinon ils auront qu'à restaurer une ancienne version des données qu'on est sur le point d'effacer. Beta ! Retrouvez-les ! Allez, ça ! C'est un lance-grenade ! Bon à savoir ! Je trouvais le canon aussi épais, mais... Ok, c'est bon, j'ai compris. Ça te Merci. De trouver les serveurs de secours de Bloom et de les faire sauter. Tu pourras péter tout ce que tu veux comme ça. Ce site est beaucoup trop bien gardé, amigo. Et puis, c'est juste à côté de chez Bloom. Va montrer tes muscles un peu. Détruis les serveurs de secours, sinon ils auront qu'à restaurer une ancienne version des données qu'on est sur le point d'effacer. Merde. Tu veux bien mourir? Bien mourir, merci. Oh la vache, ah, ils font mal hein. Alors ils font très très mal, je crois qu'il va falloir que je joue autant les hacks que le fusil, que le lance-grenade. Bon allons-y. Ça te dirait de trouver les serveurs de secours de Bloom et de les faire sauter? Tu pourras péter tout ce que tu veux comme ça. Ce site est beaucoup trop bien gardé, amigo. Et puis, c'est juste à côté de chez Bloom. Va montrer tes muscles un peu. Détruis les serveurs de secours, sinon ils auront qu'à restaurer une ancienne version des données qu'on est sur le point d'effacer. Allez, va voir. Ok. Allez, viens voir. Allez,
ils sont nombreux à me voir, mais c'est pas grave. Ils m'ont vu ou pas? Ils m'ont vu. C'est pas possible. C'est pas possible, je te dis. Ah. En fait, j'envoie des grenades et dans la grenade, il y a un feu d'artifice qui s'envoie en l'air et qui dit « Il est à côté des voitures !» Voilà ce qui se passe. Les serveurs de secours de Bloom et de les faire sauter, tu pourras péter tout ce que tu veux comme ça. Ce site est beaucoup trop bien gardé, amigo. Et puis, c'est juste à côté de chez Bloom. Va montrer tes muscles un peu. Détruis les serveurs de secours, sinon ils auront qu'à restaurer une ancienne version des données qu'on est sur le point d'effacer. Le pire, c'est que je suis même pas dedans et ils sont déjà en train de me faire chier. Allez. Hop. C'est lui là-bas qui me voit. Ils m'ont pas vu, c'est pas possible. C'est le mec là-bas ou c'est celui-là? Moi je m'en fous, hein. J'envoie les mecs, moi, hein. Y'a pas de soucis. Par contre, à deux, ils vont se faire absolument défoncer. Non ? Ils m'ont pas vu. On vous signale une cible déjà identifiée près de votre position. J'ai été identifié? Genre sérieusement? Par qui? Par quoi? Où ça? J'en ai deux là. Qu'est-ce que... Ah! Bien sûr. Je vais crever si ça continue. J'ai toujours 8 balles ou c'est moi? Dégage. Dégage. Mais bien sûr, vous survivez à tout, vous, hein. Aïe, aïe, aïe. Ok. C'est pas le bon endroit. Oui, j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer, je te dis. La porte, tu te fermes. Ok. Aïe. Ça, elle m'a fait mal. Désolé. Ok, il en reste plus que deux. Boum, j'ai pété la porte. Ça, je pensais pas que c'était possible. Tiens, meurs. Voilà. Ok, c'est bon. On a réussi. Beaucoup de mal, mais on a réussi. Fou, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Tout ça pour arriver là, à la base.
Mac. Ok, c'est quoi? C'est moi. Vous n'y arriverez pas. Demande ce que ça débloque. Je vais l'ouvrir. Toi, ouvre bien les yeux. Qu'est-ce que c'est? Bah merde. Ok. Hey Marcus, tu la trouves pas petite cette pièce? Je sais pas, je la vois pas. Ouais, c'est vraiment petit. Sors! Bon bah en vrai je suis mort. On attend un petit peu hein, que ça monte. Poupi 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 pou. Ah il y a des gens, c'est pour ça que il y a une réaction de la part de Branch. Ok. On est bon? On est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ah ouf, je crois que c'était pas bon. Ouh. Hello there. J'en ai rien à foutre. T'as trouvé les serveurs de secours? Mieux. J'ai trouvé le placard de service, les serveurs de secours... Et les générateurs. Les générateurs du campus. Une chance que j'ai prévu large. Je t'écoute, Ah, ok. Pourquoi pas, après tout, hein. C'est explosif. Marcus, je suis venu. J'ai vu. J'ai tout pété. Je suis revenu. Josh, il est con. Il y a 73 Marcus Holloway qui se balade au moment où je te parle. Et on est en train d'en créer d'autres. J'arrive pas à imprimer les masques Yurmi avec ta tête assez vite. La recours faciale du CTOS devient dingue. Tu peux y aller tranquillement maintenant. Ah ouf. Bon bah Wrench mourut enfermé dans le truc. Malheureusement. Ah non, il est sorti finalement en mode badass. Je vais tuer mon voisin, ça finira. Alors ce qu'il faut savoir c'est que mon voisin coupe du bois pendant une heure tous les jours à la tronçonneuse. Hein, pendant une heure. Alors que moi il suffit que je scie parce que j'ai pas de tronçonneuse. Enfin j'ai pas envie d'utiliser la tronçonneuse pour recouper les petits bois. Il suffit que je scie pendant une demi-heure pour en avoir pendant une semaine. Imaginez à quel point il est bon avec son sonneuse. Enfin bon. Du coup, tu devrais être tranquille. Une fois sur l'ordinateur AirGap de Bloom, transmets tout ce que t'as avec ton téléphone et relaie les infos au vaisseau mère. Oui, monsieur, bien monsieur. Bonne chance, cowboy. Merci. Je regarde juste, chers amis, on en est à 18 minutes. Parfait, on continue. On continue. On continue. C'est parti. Nous sommes chez Bloom. Bonjour, Bloom. Comment vas-tu, Bloom? Tout va bien, Bloom? Ça va bien, Bloom. Merci, toi, Bloom. Ça va bien, Bloom. Merci. Bah alors, t'es tout éteint? Oh, elle est bonne, dis donc, l'eau, eh. J'ai vu sa température ambiante, comme ça, il fait moins 12 dehors, donc forcément, elle est pas extrêmement... Elle pourrait être plus chaude, on va dire. Alors, remarquez qu'il y a un endroit à l'intérieur où c'est encore plus sécurisé. Au-delà d'être rouge, c'est méga rouge. Bonjour, je suis Marcus Holloway. Hop là! Pip, 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 pip. Entrez, mes amis, allez tous vous plaindre. Ah non, tu peux pas être discret. C'est pas possible. Là, c'est pas... Non, enfin, là, c'est... Bonjour, monsieur, dame, comment allez-vous? Bien, et vous, merci. Ça va plutôt pas mal. Quoi? Danny Brown. Qui ça? Putain, mais vous connaissez rien. Et bim! Oh merde, Ray! Faut que tu t'arranges pour qu'il puisse pas prévenir Dushan. T'as une idée? Accéder aux routeurs du campus et modifier leur mot de passe. Plus personne pourra utiliser le Wi-Fi, sauf nous. Fais ça vite alors, moi je surveille. Ok, surveille. Aïe, aïe, je me cogne. Je me cogne, je me cogne. Hop, c'est bon. J'arrive pas à savoir s'il faut que j'aille en haut ou en bas.
Non, arrête de dire des gros mots, c'est pas bien. C'est pas passé loin ce coup-là. Allons-y. Pour l'instant, il nous tourne le dos. Putain, il nous regarde. Oh là, où c'est rien de moi. Bingo. Trouve les suivants. C'est pas le meilleur endroit du monde. Alors ça, c'est une salle, je crois, qui a du... Comment du... Alors, c'est une salle où il y a de l'acoustique. Vous voyez, c'est pour réduire le son. Tout ça. Oh putain, d'accord, c'est un cul-de-sac. Oh, j'avais pas remarqué. Je n'avais pas remarqué que c'était un cul-de-sac. Ça pue. Ça pue, ça pue. T'excites pas. T'excites pas. T'excites pas. Copain, t'es perdu? Je suis pas vraiment perdu, t'inquiète. Arrêtez vos conneries, c'est bon. Désolé. Tu n'as rien vu. La porte m'a fait des dégâts. T'es sérieux quand tu dis ça ou... Ok, on est bon. T'en retourne pas, 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 t'en retourne pas. On est bon. On est passé, c'est parfait. Et à hauteur de moi. Ça y est, tout est coupé. Et Dushan aussi. Ça va de ton côté, Ray? Nickel, Chrome. T'en fais pas pour moi. Trouve le moyen de descendre. Bon, je vais pas m'en faire des masses, hein. Je sais pas si... Ici Centrale. Une ou plusieurs cibles potentielles ont été signalées dans votre secteur. Non, 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 je zigzague. Je zigzague, je zigzague. Nom de Dieu, je zigzague, je te dis moi. Wow, je te dis que je zigzague. C'est débile. Les armes anti-taser, c'est débile. J'ai tout fait comme il faut. Mais va te faire foutre! Tu t'arranges pour qu'ils puissent pas prévenir Dushan. T'as une idée? Accéder aux routeurs du campus et modifier leur mot de passe. Plus personne pourra utiliser le Wi-Fi, sauf nous. Fais ça vite alors, moi je surveille. Trop cool! Oh, c'est la meilleure planque du siècle. Franchement, c'est la meilleure planque du siècle. Ok. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est fait. Et un de moins. Bingo. Trouve les suivants. Ah ouais. Celui-là, il est bon. Bonjour. Tu te calmes, Johanna? Tu n'as rien vu. Hey, je veux pas voir ça, moi. Tu ouvres ta porte. Et hop les. Ni vu ni connu, chers amis. Bon, maintenant il va être temps qu'on découvre. Et un routeur de moi. Ça y est, tout est coupé. Et Dushan aussi. Ça va de ton côté, Ray? Nickel. Comment passer? T'en fais pas pour moi. Trouve le moyen de descendre. Faut qu'on découvre comment passer. Peut-être un ascenseur là-haut? Pas d'ascenseur là-haut. Pas de passage ici.
un passage là. Non, rien ici, je passe par là. Y'a aucun moyen de descendre. On peut pas plus descendre. Enfin attendez, non, c'est quand même pas là. Oh la gueule. Hop, désolé. Je suis plus là. Merde. On va attendre, hein. Jusqu'au bout. Je vais tous vous taser jusqu'au bout. Vous allez vivre. Vous allez vivre. J'ai pas la clé d'accès. J'ai pas la clé d'accès. Qui c'est qui l'a? Qui c'est qui l'a, la clé? Qui a la clé? Moi je cherche la clé du mausolée. Vous allez me perdre, ça continue ou... Je me replie. Tous à couvert. Aïe, je suis mort. Bon, c'est pas grave. Donc il y a une clé à chercher, mais on sait jamais. Enfin, ça se trouve là. Bah non, là on va forcément reprendre. Voilà, au tout début. Débile. C'est absolument débile. Oh merde, Ray. Faut que tu t'arranges pour qu'il puisse pas prévenir Dushan. T'as une idée? Accéder aux routeurs du campus et modifier leur mot de passe. Plus personne pourra utiliser le Wi-Fi, sauf nous. Fais ça vite alors, moi je surveille. C'est quoi ça? Connard. C'est rien du tout, c'est toi qui es mauvais, c'est tout. Tu m'as fait peur, n'est-ce pas, d'un instant avec ton caillou. Et un de moins. Bingo. Trouve le suivant. Hop. C'est bon, tu fais déjà suffisamment pitié comme ça. Pas commencer à me faire chier. Vas-y. Crac. Ok, c'est bon. Pousse, je passe. C'est bon. Bon, maintenant, il y a une clé à trouver. Est-ce que vous, vous la voyez? Pas moi. Et un routeur de moi. Ça y est, tout est coupé. Et Dushan aussi. Ça va de ton côté, Ray? Nickel. Bonjour. T'en fais pas pour moi. Trouve le moyen de descendre. La vache! On t'aura prévenu. Trouvez-le. J'arrive ouais, pas okay. À croire ce qui se passe. Tu te calmes. Ok, on y va comme ça, c'est pas grave. Calmez-vous, hein. D'accord. Ça va, je vais pas me faire chier. Bon. On va éviter de bouger, mais... On va éviter de bouger. Allez, 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 c'est bon. Je le renvoie. Non, 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 par contre, t'évites avec tes cams à la con là. Merci. Oh, vous êtes sérieux? Vous me pétez les couilles là. Unité code 2. Un suspect a été signalé dans votre zone. Agissez avec prudence. Je sais pas si j'aurais dû faire ça. What? Attention, il a un flingue. On nous signale la présence d'un suspect dans votre secteur. Venez
Le mec il a pop ici quoi. Ok. Merci. Bah oui, forcément. C'est bon, je descends. Eh ben non, forcément, ça me l'a pas donné. Non mais c'est pas grave, hein, enfin. Allez, vas-y, tue-moi, merci. Bon, on est où, chers amis, dans l'épisode ? Ça commence à me péter les couilles. 30 minutes, eh ben écoutez, on va se laisser. Je vais retenter et on retrouvera ça dans la prochaine vidéo. Salut les gens, je suis désolé, mais là, ça me pète les couilles. C'est débile. Voilà, je recommence encore une fois. C'est la partie extrêmement simple, ne sert à rien. Mais on la répète, je sais pas combien de fois. Et la partie extrêmement dure, ben on est obligé de s'emmerder avec. Voilà, salut les gens.